Good morgen, allez, Iden Nessus, aujourd'hui, les Loïnish, Matraya Esther, Bat Miriam, Jamil Tahab, les Bet Mesalton, ainsi que les Fouat, Olivier, Israël Shimon, Ben Chaya Esther, Khamchat Miriam, Bat Rosalina, Binamin, Ben Chibiava, Bator, Chakol Israël, si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Ovin, Perek, Gimel, Mishnah Bet, Meharvin, Badmai, ou Bemaser Rishon, Shenit La Tromato, ou Bemaser Sheni, Vehegdesh, Shenifdu, Vehakoanim, Bechala, ou Batumba, il y en a qui disent qu'il faut le lire, Avalo Batevel, ולא במעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו. דוזם סוג'ד למשנה, השולח עירובו ביד אחר, השוטה וקטן, או ביד מי שאינו מודה בעירוב, אינו עירוב, ואם אמר לאחר לקבלו ממנו, הרי זה עירוב. Deux introductions avant d'expliquer notre משנה concrètement. Tout d'abord, une introduction générale sur le chapitre. On est dans Maseret Roumin Perek Gimel, on parle du עירוב תרומין. עירוב תרומין, c'est ce qui me permet de sortir en dehors de ma ville, au-delà du Troum Shabbat. C'est-à-dire, le Shabbat, toute personne est limitée par 4 amas, et il a la possibilité, on apprendra plus en détail, d'avoir au-delà de ces 4 amas, 4 amotes, ça veut dire 2 mètres carrés, ou bien, des fois on va considérer que toute ta ville c'est considéré comme 4 mètres carrés, parce que tout ça c'est considéré comme une seule entité, un seul domaine privé, peu importe si c'est pas réellement privé. Mais, en tout cas, donc tu as ton lieu, et au-delà de ton lieu, tu peux avoir 2000 amas l'école rouach. Tu as 2000 amas l'école rouach. C'est-à-dire tu as l'équivalent de 2000 amas, 1000 mètres, 1 km, autour de tous les côtés. Ça, c'est toute personne, il a le Troum Shabbat. C'est son Troum Shabbat. Lorsque je veux sortir en dehors de la ville pendant Shabbat, partir à 2 km, jusqu'à la possibilité d'aller jusqu'à 2 km, parfois ça peut servir, parce que comme je vous avais pris l'exemple dans le cours précédent, moi, j'habite à la limite de Jérusalem, à Ramoth. Maintenant, si je veux sortir, j'ai le Kever de Shmuel HaNavi qui est à l'extérieur de Ramoth. Je ne sais pas quelle distance il est. Mais supposons qu'il est au-delà des 2000 amas, d'accord, tout le quartier de Nabi Samuel, alors je ne peux pas partir là-bas pendant Shabbat. Sauf si je vais poser un Hérouv avant Shabbat. Le Hérouv, je vais le mettre à la limite maximale de mes 2000 amas. Je le pose là-bas, donc à 1999 amas, je mets là-bas mon Hérouv. Et grâce à lui, je vais exprimer par là, en symbole, que moi, maintenant, j'habite ici pendant Shabbat, à 1999. De ce fait, puisque j'habite là-bas, j'ai 2000 amas des deux côtés. Donc j'ai depuis cet endroit-là, à ce point-là, j'ai la possibilité de partir 2000 amas et arrive au Kever Shmuel HaNavi. J'ai la possibilité, si je veux, aussi de rentrer dans Ramoth. Et du coup, si déjà je commence à mordre dans Ramoth, je vais avoir tout Yerushalayim même, parce que c'est considéré tout ça comme 4 amas, comme les mêmes 4 amas. Et donc du coup, voilà, j'ai la possibilité, grâce à ce roof, de partir à 2000 amas supplémentaires. Ok ? Pour pouvoir acquérir le 2000 amas, j'ai renoncé au 2000 amas de l'autre côté de la ville. Parce qu'en théorie, si je veux partir à pied jusqu'à l'autre côté de Jérusalem, je vais me taper maintenant les 12 km jusqu'à Guilo. Et de Guilo là-bas, je vais pouvoir partir ensuite même Kever Achem. Je crois que c'est encore. Je veux sortir en dehors de là-bas, et ben, je ne pourrai plus sortir en dehors de la ville. Je pourrais partir jusqu'à Guilo, mais je ne pourrais plus partir à Kever Shmuel, sortir en dehors de Jérusalem de l'autre côté. Voilà pour l'introduction générale de Hérouv Troumou. On a maintenant, dans la Mishnah Aleph, on a découvert avec quel type de nourriture tu peux le faire. Dans notre deuxième Mishnah, on va continuer à découvrir encore quel autre type de nourriture tu peux avoir utilisé. Principe général, puisque tu mets de la nourriture qui va symboliser que tu habites là-bas, il faudrait de la nourriture que tu puisses théoriquement la manger. Mais en réalité, je ne suis pas obligé de la manger moi-même, même si c'est apte à être mangé par quelqu'un d'autre. Mais pas de la nourriture qui n'est pas mangeable. Du coup, dans notre Mishnah, on va découvrir toutes sortes de nourriture qui a des problèmes à la chik, à la consommer, mais que malgré tout, tu pourras l'utiliser. Oui ou non, en fait, ça va être les deux cas de figure. Et en l'occurrence, on va voir sur trois sujets de la Mishnah, les trois plus le réciproque, six cas de figure qui ont touché au halakhot de Troumot ou Masrot, les prélèvements de tous les prélèvements agricoles. Du coup, vous retenez tout ce que je vous ai dit, vous le mettez de côté. Maintenant, je fais une petite introduction sur les prélèvements agricoles parce qu'on va en avoir besoin. Lorsque je reçois ma récolte, retenez bien les chiffres. Et comme ça, après, comment faire la Mishnah, ça ira vite. Je reçois, j'ai fini d'engranger ma récolte, j'ai réussi à avoir 100 kg de blé. De ces 100 kg de blé, je prélève tout d'abord la Tourma Gdola, un 1/50 que je vais donner au Kohen. Au Kohen, 1/50 donc 2 kg. Il va me rester 98 kg. Des 98 kg, maintenant, je dois donner le dixième au Lévi. Dixième, donc je le sors 9,8 kg. Je donne ça au Lévi. Le Lévi reçoit ça, il doit prélever, lui, de ses 9,8 kg, il doit prélever, lui, un dixième, le dixième du dixième, donc il va faire l'équivalent du centième des 98, ou bien le dixième des 9,8, il va donner 980 grammes au Kohen.
Le Kohen il a reçu donc 2 kilos de moi et 980 grammes du lait. Et le deuxième prélèvement, c'est le Maaser Sheni, selon un cycle d'année de, de 6 ans, de 7 ans plutôt. Il y a les années, il faut que je prélève une deuxième fois, selon les années, je le donne soit aux pauvres, soit je le prends moi à Jérusalem, et je vais le manger à Jérusalem, ça s'appelle le Maaser Sheni, et c'est les années 1, 2, 4, 5. Les années 1, 2, 4, 5, je prélève maintenant un deuxième prélèvement, donc de ce qui reste, j'ai plus fait le compte, 78, je sais plus, non, 89, 1, et ben en tout cas, je prélève un deuxième prélèvement, un deuxième dixième, c'est ce que là, je vais le prendre et monter à Jérusalem. Si je ne peux pas monter à Jérusalem, c'est-à-dire, je ne peux pas les monter eux à Jérusalem, parce que je ne peux pas monter tout de suite, et ils vont pourrir jusqu'à la fête arrive, jusqu'à que j'ai l'occasion de monter à Jérusalem, ou encore c'est une quantité trop grande, le temps me dit, bon, c'est pas grave, tu peux les racheter. Lorsque tu les rachètes, tu prends leur valeur monétaire, tu dis, ah, ces fruits-là, maintenant, ils pèsent, ça coûte, t'en as pour 100 shekels, tu prends maintenant l'argent, en contrepartie, et tu transfères la doucha sur l'argent, l'argent, tu le montes à Jérusalem, tu vas, quand tu seras à Jérusalem, tu achèteras de la nourriture avec, et ces fruits-là, tu peux les manger maintenant. Lorsque tu rachètes, tu dois rajouter un cinquième. Ok, si ça coûte 100 shekels, tu dois rajouter 20 supplémentaires, ou même 25, c'est un peu plus délicat comment calculer, mais je ne vais pas vous embrouiller. Retenez 20, en fait, comme dit. Donc je dois prélever, donc je dois rajouter un cinquième. Voilà pour les données avant de commencer la Mishnah. Les données qu'on va maintenant découvrir dans la Mishnah, ça va être deux points super importants. Et je vous les introduis tout de suite, comme ça après, ça ira beaucoup plus vite. Il y a tout d'abord, et vous verrez plus clair aussi, parce que la Mishnah va s'occuper de m'expliquer le cas que ça marche, et puis après, on va passer à la réciproque, on va en parler des cas qui ne marchent pas. Donc du coup, il faut les retenir qui est en parallèle avec qui. Et donc, deux, trois points qu'on va voir. Tout d'abord, Chachamim, on fait un décret. En théorie, lorsque j'achète des fruits chez un juif, même s'il est amarré, c'est un ignorant, il pratique quand même la Torah, les mitzvot, ouais, un juif, mais n'importe quel juif moyen, le problème, ouais, c'est quand même plus ou moins cachère chez lui à la maison, même si malheureusement, il y a plein de petits ratés par-ci par-là. Donc en théorie, lorsque je prends des fruits, même dans un maharet, ces fruits-là, je pourrais les manger selon la Torah. Ramim Sonios, ils ont dit non. Malgré tout, c'est vrai que la majorité des ignorants prélèvent les fruits, mais souvent s'ils ne prélèvent pas, ils oublient, ils n'ont pas calculé, ils n'ont pas vérifié. Donc du coup, Ramim, on fait un décret. Tout ce que tu achètes dans un maharet, d'un ignorant, c'est du dmaï. Tu n'as pas le droit de le manger, tu dois le reprélever. Ça, c'est le dmaï. Chachamim aussi, enfin, à part ça, il y a maintenant. Je vous ai dit, lorsque je reçois ma récolte, lorsque j'ai fini l'engranger, je dois donner d'abord une part au Kohen, c'est la Trouma Gdola, puis après une part au Lévi, le dixième de ce qui reste. Imaginez maintenant que les fruits étaient engrangés, j'ai pas eu le temps de donner au Kohen, que le Lévi est venu, il a commencé à me faire pression pour que je lui donne tout de suite le maaser, il était très pressé. J'ai calculé, j'avais 1000 kilos, je lui donnais 1 kilo de maaser. Il s'avère que dans ces fruits-là qu'il a pris, le Lévi, il a fait quelque chose de pas bien. Parce qu'en fait, ces fruits-là, on ne leur a pas prélevé la Trouma Gdola. Or, ces fruits-là se sont fait imposer de la Trouma qu'il fallait donner au Kohen. Il ne pourra pas se contenter de juste prélever un dixième de ce maaser à le donner au Lévi. Il faudra le donner au Kohen. Il faudra tout d'abord qu'il reprélève la Trouma Gdola. Parce que tout d'abord, il doit prélever un cinquantième. Il a reçu maintenant 10 kilos, il doit prélever un cinquantième. Ouais. Il doit prélever tout d'abord un cinquantième de ses fruits, donc ça va faire 200 grammes. Ça, il va dire que ça, c'est de la Trouma Gdola. Il le donne au Kohen, et puis après, des 980 grammes, des 9,8 kilos qui vont lui rester, il va devoir prélever un dixième, donner les 980. Ça revient plus ou moins en même, puisque de toute façon, il va donner un dixième. Mais il doit même, quand même définir, ça, c'est la Trouma Gdola, et ça, c'est la Trouma Maaser. Et s'il ne procède pas comme ça, eh ben, les fruits, ils restent imposés de Trouma Gdola. Ça, on le reverra dans la deuxième partie de la Mishnah. Première partie de la Mishnah, elle va maintenant préciser quelque chose de très original. C'est que si le Lévi, il est venu me faire pression quand j'étais encore au champ avant d'avoir fini d'engranger les fruits. Lorsque j'ai pas fini d'engranger les fruits, ils sont pas encore imposables de Trouma Gdola. Ils sont pas encore imposables de Trouma Gdola, la grande Trouma d'un cinquantième à donner au Kohen. Donc je lui donnais maintenant un dixième, mais les fruits ne sont pas imposables du un cinquantième. Il devra juste prélever lui la Trouma Maaser, par contre. Donc il devra prélever juste un seul prélèvement, la Trouma Maaser, et la donner au Kohen. Ok. Dernière petite précision encore, c'est sur le rachat des fruits du Maaser Sheni que je vous ai dit qu'il va rajouter le cinquième. S'il a quelqu'un qui est prêt, qui fait le rachat, mais qui ne rajoute pas le cinquième, les fruits deviennent quand même profanes, on pourra les manger. Il y a juste qu'il faudra qu'il rajoute de sa poche un cinquième. On a les éléments suffisants, nécessaires et suffisants pour commencer la Mishnah. Mais Arvin Badmaï, on peut faire le Eruv, le Eruv Trumin, en mettant de la
d'une récolte qui est de maïs, que j'ai acheté d'un ignorant, bien que je doive théoriquement reprélever ses fruits, et que j'ai pas le droit d'en manger, ni même de les donner à manger à un maharet ou à un ignorant, à personne, je peux plus les donner à manger. Malgré tout, il y a une possibilité de les consommer à Shabbat, vous savez comment? Si je décide de dilapider tous mes biens, je deviens un pauvre, et bien Chacham, ils ont dit, ah, un pauvre, même lorsqu'il est Chacham, il n'est pas obligé de prélever le dmaï. D'accord? Donc du coup, j'ai la possibilité concrètement de manger ces fruits si j'essaie de dilapider mes biens. Donc c'est fini que c'est la nourriture qui est mangeable. Ensuite, ou bien maaser rishon, shenitla tourmato. Et aussi, je peux même aussi faire le eruv en posant du maaser rishon, donc c'est un lévi en fait. Lévi, il a reçu le maaser. Et à partir du moment où il a prélevé de ce maaser, il a prélevé la tourmat maaser, le dixième qu'il doit donner au lévi, au Cohen, même s'il n'a pas prélevé la Tourma Gdola, parce qu'en fait on parle d'un cas particulier où il est venu prendre la récolte avant que je l'engrange. Ok? Tout ça c'est plus expliqué, petite parenthèse, ces notions-là, tous ces fruits là, de récolte, on les retrouve très fréquemment dans le chasse. On les a vus dans les rouvines, on les voit maintenant dans les rouvines, on les avait vus quand on avait fait Shabbat. Dans Brachot, on les retrouve constamment, c'est la même série. Du coup, le Bartenor, il ne s'est pas fatigué à expliquer ici. Il t'a dit, bon, je t'ai déjà tout expliqué dans Perek Mefanin, dans Shabbat, va voir là-bas. Tu fais ça, il s'occupe de tout détailler dans les détails, il reprend tout. Ou bien, Maaser Sheniv et Ekdesh Sheniv. À part ça aussi, on peut même aussi faire le Hérouv en posant comme nourriture du Maaser Sheni, qu'on a racheté, et qu'on a racheté. Et même du Ekdesh, même quelque chose qu'on a sanctifié, et on l'a racheté, on a fait transférer la Gdusha sur de l'argent. Et le chidouj, la Mishnah, allait me dire, même si tu n'as pas rajouté le cinquième. D'accord? Comme ça, la Gemara explique, tu n'as pas rajouté le cinquième, malgré tout, les fruits, ils sont devenus profanes, tu peux les manger, donc tu peux faire le rouv avec eux. Et idem aussi, vea kohanim, bechala, ou batruma. Les kohanim aussi peuvent décider de faire le rouv en posant de la chala, qui est, la chala, c'est ce qu'on prélève la chala des chalot, du pain, on prélève la chala, et on la donne à manger au kohen, qui est pur. Le Kohen, il peut faire le prélèvement avec elle, et en réalité, on avait même appris dans la Mishnah précédente que n'importe quel Israël, il peut prélever avec la Chala. Parce qu'elle est mangeable par son voisin Kohen. Et maintenant, à la différence, par contre, à Valo Betevel, par contre, on ne pourra pas prélever avec du Tevel d'une récolte qui n'a pas été prélevée. Le Barthénois nous précise, il ne précise pas cette fois-ci, le Tiferet Israël rapporte, il précise en fait qu'on parle du Tevel. Tevel, ça veut dire du mot qui n'a pas, d'une récolte qui n'a pas été prélevée, la Gemara précise, même si c'est une récolte qui a poussé dans des pots de fleurs. Que concrètement, lorsqu'on pousse tout ce qui pousse dans un pot et qui ne tire pas des forces du sol, il faut que ce soit un pot qui soit hermétiquement fermé entièrement, que son feuillage ne dépasse pas au-delà du pot, eh bien, on est dispensé de prélever selon la Torah, malgré tout, rapidement, certains cas de figure, on fait un décret de prélever, eh bien, si tu prélèves pas, tu ne pourras pas faire le hérouve avec ces fruits-là. Velo bemaaser rishon shelo nitla tumato. On ne pourra pas non plus faire le prélever en mettant du maaser rishon, mais si on n'a pas prélevé la truma, alors là c'est le cas réciproque où on a prélevé la truma de maaser, mais on n'a pas prélevé la truma gdola, parce qu'on parle du cas où le lévi est venu chercher la truma avant le Kohen. Donc du coup on a court-circuité le Kohen, il faut lui payer sa dette avant de prélever la truma de maaser. Ensuite, vélo maaser sheni avec des shelonivdo, on ne pourra pas non plus prélever avec du maaser sheni, ou avec du ekdesh, quelque chose qui a été sanctifié, shelonivdo qui n'ont pas été rachetés. La Gemara précise, en réalité, on parle que même s'ils ont été rachetés, mais pas comme il se doit. Par exemple, pour acheter le maaser sheni, il faut nécessairement une pièce qui a un tampon dessus, comment dire, le mot m'échappe, c'est pas grave, ça m'arrive. Et elle n'a pas été pas scellée, il y a un mot spécial. Bon. Il n'y a pas eu le sceau du roi dessus. C'est une valeur d'argent, c'est de l'argent. Ouais, mais elle n'a pas été poinçonnée. Et puisqu'il n'y a pas eu le poinçon dessus, donc la pièce, elle n'a pas une valeur de pièce, elle a une valeur juste de bout d'argent. On ne peut pas racheter avec ça, il faut nécessairement une pièce. Ok? Vetsanta Kesef, la Torah nous dit. Vetsanta Kesef, biadecha avec Amta, Belita, la Makom, tu devras prendre le Kesef. La Torah nécessite que ce soit de l'argent, qui a été poinçonné. À Sholeach, ensuite, on a fini maintenant avec l'histoire des récoltes originales, et un deuxième sujet de la Mishnah. À Sholeach, Eruv, Be'ad Cheresh, Shoteh V'Katan. Celui qui envoie son Eruv avec un sourd, ou un fou, ou un petit enfant. Soit, je vous ai dit, moi j'habite Ramot, je veux sortir en dehors d'Yerushalayim, ensuite pendant Shabbat, grâce à ça je vais pouvoir partir au Kever, je suis malade.
J'ai pas le temps de partir, je prends mon enfant de 12 ans, mon garçon de 12 ans, qui a plus de 12 ans, mais c'est pas grave, je le prends, lui, ou je prends même ma fille qui a 11 ans et demi, je vais et je leur dis, tu sais quoi, tu vas, tu comptes à peu près à cet endroit-là précis, où il y a le panneau là-bas, tu poses là-bas le hérouv, comme ça je vais pouvoir partir au Kever Shmuel HaNavi pendant Shabbat. Et ce qui se passe, c'est qu'eux, ils n'ont pas atteint leur majorité religieuse. Donc, ils ne sont pas considérés ni comme un homme, ni comme une femme. Ils ne sont pas crédibles. Alakha super importante, je vais vous expliquer ensuite plus dans les détails. Mais en tout cas, ils ne sont pas crédibles. Ça veut dire que même si je leur donne une fonction, va poser un hérouv, ils vont dire, ça y est, papa, je l'ai fait. Et même si les mamash, ils sont gentils et tzadikim, comme je ne sais pas quoi, eh ben, ils ne sont pas crus selon la Torah. D'accord? Et donc, ce ne sera pas bon. Le hérouv, il va être invalidé. De même aussi au Beyad Mishéno Modeberouv, encore autre cas de figure, là c'est plus compliqué. C'est que je l'ai envoyé avec un, pas mon fils, bon, Hachem, j'ai que des enfants de Sadikim, Bezrat Hachem, comme chez tout le monde, mais quelqu'un qui avait un enfant qui était complètement, il a déraillé, il n'est plus du tout sur le bon chemin, ouais, il dit tiens, va le poser là-bas. Quelqu'un qui n'est pas modé Bayrouv, quelqu'un qui ne reconnaît pas l'importance du Hérouv. Ça peut être un apicros par exemple, il faut que ce soit un niveau de dégradation assez violent que maintenant il est devenu athée. Il n'y croit plus. Il ne croit plus à rien. Il est apicoros, d'accord? Comme ça, il dit le Tifatissa, l'apicoros, le Bartonon, il est Kuti Otsdoki, chez l'Oneda d'avoir des enfants comme ça. Donc, quelqu'un qui a un enfant qui est complètement sorti, un enfant, peu importe, même à son voisin, il dit à son voisin, il va passer en voiture, il dit, ah, tu sais quoi, quand tu passes là-bas en voiture là-bas, pose-le les roues par terre, tu le mets là-bas sous le rocher. Eh ben, il n'est pas crédible pour les roues, donc, et nos roues, toutes ces personnes-là ne sont pas crédibles. Quand ils te disent qu'ils ont fait une chose, tu ne peux pas les croire, donc. Leur hérouve n'est pas un bon hérouve. Par contre, d'accord? Entre parenthèses, alakha, super important pour les enfants, c'est très fréquent, je l'ai déjà précisé dans 5 minutes, je l'ai déjà précisé à l'oral aussi dans le cours de Mishnayot. C'est fréquent lorsqu'on envoie un enfant tremper quelque chose au migvé, un nouvel ustensile. Si l'ustensile, il est en métal et qu'il faut tremper selon la Torah, d'accord? La plupart des ustensiles, les fourchettes, peu importe. Très classique chez celui qui ne connaît pas l'alakha. Il envoie à son fils et lui dit, tu sais quoi, quand tu arrives au migvé, trouve un adulte et tu lui dis de te tremper. Et de le tremper, de faire la bracha. Le gars, il a fait deux erreurs. Un enfant, il peut faire l'action de tremper dans le migvé, il n'y a aucun problème. Mais l'enfant, il n'est pas cru pour te raconter qu'il est parti au migvé. En réalité, il faudrait, c'est la solution qu'on rapporte, que j'ai fait constamment quand j'ai besoin d'envoyer un enfant, quand mon fils n'était pas encore bar mitzvah, je l'envoyais au migvé le vendredi avec des ustensiles, je lui disais, je lui donne mon numéro de téléphone, et je lui dis, tu trouves un adulte qui va attester, dans mon quartier, je connais plus ou moins tous les juifs, dans mon Hachem. Et on se connaît tous plus ou moins, donc je lui dis, tu trouves un adulte, et tu lui dis qu'il vérifie que tu trempes bien l'objet, ou bien s'il veut le tremper lui, c'est pas un problème, l'enfant il peut faire l'action de tremper au migvé aussi. Et donc du coup, il va au migvé, et il y a après, dans les minutes qui suivent, je reçois un coup de téléphone, oui, c'est Plony, j'atteste que ton fils il a bien trempé l'ustensile au migvé. Et là maintenant il est devenu crédible, mais le fils lui-même je peux pas le croire, même s'il revient avec l'objet qui est complètement mouillé, d'accord? Parce qu'ils ne sont pas crédibles. Ensuite, Ve'im Amar les Acher les Kablo Mimeno, par contre. La Mishnah continue. Si j'ai envoyé mon enfant, mais je lui ai dit, tu ne mets pas le hérouve, je te demande de partir chez le voisin qui habite là-bas, en face là, mais tu lui dis que lui, quand il va partir, qu'il va pouvoir déposer le hérouve. Donc j'ai dit à mon fils qu'il dise à quelqu'un d'autre de déposer le hérouve, à réaliser hérouve, ce sera un bon hérouve. Un bon hérouve. Je m'explique. J'ai dit à mon fils, tu sais, les Cohen là, qui habitent en face là-bas, ils doivent partir passer Shabbat. Donne-leur le hérouv pour qu'ils aillent le déposer. La Mishnah me dit, donc si mon fils il est parti chez les Cohen, même le Cohen, il y avait à l'époque où il n'y avait pas encore le téléphone, il n'a pas appelé pour attester qu'il a déposé, je crois qu'il l'a donné. Alors il faut préciser un petit peu mieux. On parle que concrètement, j'ai vu mon fils par la fenêtre le donner à la famille Cohen. Mais après, je ne sais pas ce que les Cohen, ils ont rempli leur mission. Sur ça, la Gemara précise, Chazaka, Shaliach, Hose Shlichut. On a une Chazaka, une supposition admise, quoi, que n'importe quel bon juif à qui t'as demandé de faire quelque chose, il a fait son devoir. Donc du coup, même si je ne sais pas ce que concrètement il n'est pas revenu, le chaliar que j'ai envoyé, le fameux Cohen, ils m'ont pas attesté qu'ils ont réellement posé le hérouve. Mais je suppose, dans le doute, qu'ils ont rempli leur mission, et du coup, je pourrais m'appuyer sur ça pour partir Shabbat à Shmuel HaNavi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov, c'est là.